Hey, salut à tous, je suis dans la salle commune là. Je vais essayer de pas trop parler fort pour pas déranger les gens. Et je me suis dit que je vais faire une petite dégustation live comme ça. Donc je me suis acheté trois petits trucs. Alors, réellement je m'en suis acheté quatre. Mais le quatrième c'est pour ce soir. Je vous laisse la surprise, je ferai une autre vidéo je pense. Donc ça c'est un onigiri. Et ça c'est des boules de riz. Je sais pas le nom exact. C'est écrit ici. Moi j'arrive à lire les hiragana. Enfin, là il y a des kanji et en tout petit c'est les hiragana et ça c'est katakana. Nos. Moi j'arrive pas à lire. Je les connais les signes mais j'arrive pas à comprendre ce que je lis donc. Je vais me taire, tant pis. Si entre temps quand je fais la vidéo j'ai le nom exact, je mettrai en description. Voilà, on va commencer par celui-ci. Bon, c'est du riz avec ici c'est de l'algue qui tient tout ça et là c'est une petite tranche de bacon. Avec entre le riz et le bacon une sorte de petite crème. C'est sympa. Pour mon perso, j'aime bien. J'ai pas de papier. Mais c'est papier de cul. Bon. On vient dégustation du deuxième. Oh, il y avait une ouverture facile. Bon, il y avait une ouverture facile, je suis pas doué. Alors là, c'est pareil, c'est du riz moulé avec une petite algue qui tient tout ça avec un petit œuf. Un petit œuf dur. On n'est pas vraiment dur, il est plutôt moulé. Sur le même principe que l'autre, il y a une sorte de petite crème en dessous, enfin, qui fait tampon entre les deux quoi, en fait, on va dire. Voilà. Alors, pour l'œuf, je sais pas si vous voyez, c'est pas un œuf dur, c'est ce que je disais, c'est vraiment un œuf moelleux. T'as le jaune qui fait un peu gélatineux comme ça. Mais c'est sympa. Enfin, moi j'aime les œufs et le riz, donc. C'est une sorte de mayonnaise.
c'est un onigiri. Je connais bien les onigiri, j'adore ça. Et ils sont toujours fournis comme ça. Donc, il y a l'algue qui est à part. Et donc, il faut construire son. Enfin, construire, c'est pas un mot, mais. Il faut faire son onigiri soi-même. J'aurais dû le faire après. Et après, il faut le laisser prendre. Voilà. Là, c'est de l'eau minérale classique. J'ai pris de l'eau minérale dans un distributeur. Après, je verrai pour faire des courses dans le supermarché. Parce qu'a priori, les supermarchés, c'est moins cher que les combinés. C'est calme, hein. Il y a peut-être tout le monde qui sont au boulot ou. Sont tous dans leur chambre, je sais pas, mais c'est sûr pas le cas. Elle est, l'eau est bonne, mais c'est juste super froide. Et pour terminer, le onigiri. Alors, le onigiri, ça sent super fort, c'est à cause de l'algue. L'algue. Elle sent très très fort. Alors cet onigiri, il est fourré avec du. Poulie, je sais pas, je connais pas. C'est moins sympa. Il est moins bon que le reste. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est du riz, quoi. Donc le riz, ça te plombe. Bon ben voilà, c'est terminé, je vais vous laisser, je vais terminer en off mon repas, et après je vais me reposer un peu, donc je vous dis à la prochaine, comme je disais dans mes précédentes vidéos de review, bye bye, et à la prochaine, et là, vu où je suis, je vais vous dire, matane.